Et il envoie de la patate celui-là. Oh! C'est le plus beau, clairement. Je suis sûr que ça va être le meilleur. Et salut à toutes et à tous les copains, c'est Xavier Laforme, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin on va dire spéciale Noël un petit peu avant l'heure. Parce qu'aujourd'hui, notre copain le Père Noël, le Père Alki on l'appelle, va nous montrer des tout nouveaux skins qui ne sont pas encore sortis dans le jeu. À l'occasion de la, sûrement je pense, prochaine mise à jour qui va arriver sur le jeu, la mise à jour de Noël, l'arrivée des vacances, vous connaissez. Il va du coup y avoir des nouveaux skins, des skins Père Noël, des sacs à dos, des choses comme ça comme il y a vu l'année dernière. Et notre collègue Alki du coup il va nous montrer à quoi ça peut ressembler. Je te laisse nous régaler, allez, je te laisse invité. Je finissais d'être en ASMR parce que j'ai oublié de dire à tous les petits nouveaux s'abonner à la chaîne et aux copains fidèles de mettre leur petit pouce bleu. Hier, je venais de rentrer du travail, j'étais pété, j'ai complètement oublié de le faire. Voilà, c'est bon, moi je suis sur mon jeu. Ah, tu peux me réinviter? J'ai pas eu le temps de cliquer dessus. Moi j'ai voulu cliquer dessus, elle a disparu. J'étais stoppé net dans mon élan. Ah ouais, Amixem toujours présent. Clap, bonjour. J'éteins ma caméra pendant ma vidéo. Le mec, il a pas le temps. Il prépare sa vidéo dans sa propre vidéo. Qu'est-ce que le Père Noël, il a déposé dans ton casier, Alki? 13 skins et 2 danses. Sans compter les sacs à dos. Par contre, on dirait que tu parles dans une grotte, il y a de l'écho. Je sais pas si le Père Noël, il passe dans les grottes, fais gaffe. Hein. Qu'est-ce que t'as commandé au Père Noël? Pas un micro, un clavier. Ah ouais, un clavier. Ah, j'espère que t'as été sage. Hein. Parce que pour l'instant, tu l'as pas trop été avec Epic Games. Hein. Avec le et t'es pas très sage non plus sur les parties privées des gens. Je vais essayer de mettre un extrait où il rage. Tout ça les gars, donc son pseudo les gars c'est WAlkiAlki. Ok les gars. Voilà bah c'est une bonne pub pour ouais. Sa chaîne. Bon vas-y allez à toi l'honneur. Vas-y du coup le premier c'est parti, let's go. Mec, il me fait penser à un personnage, je sais plus dans quoi. Il est super silencieux en tout cas avec la capuche. Bah ouais, c'est un mélange entre militaire et un mec un petit peu sombre avec sa capuche là. Il me fait penser à un personnage, je sais plus. C'est dans quel film? Il me semble que c'est un film où Jean Reno il joue, je suis pas sûr. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis sûr qu'il y en a qui vont voir le nom. Si vous avez le nom parmi les abonnés, là, dites-le moi. Il me fait penser à un héros d'un film, mais je sais plus du tout lequel c'est. Non, je l'ai pas. Franchement, aujourd'hui, je l'ai pas. Des fois, je l'ai la référence, mais là, je l'ai pas aujourd'hui. Bon, je mettrai un petit 7 sur 10, celui-là. Allez, comme d'hab, on va noter les skins. Allez, au suivant. À la Mixem. What? Celui-là, il est stylé. Avec la cagoule et les tatouages, franchement, c'est vrai qu'il est, il est tarpin histoire, stylé. Il a une histoire avec cette saison, parce que je sais pas si t'as remarqué, dans le pass de combat, on a un logo sur le côté du bras. Pion, et ben, là aussi, là. Ouais, ouais, j'avoue, ouais. Donc c'est peut-être un ennemi qui va, avoir, qui va arriver par rapport à l'histoire du jeu. Normalement, oui. Avec tous les skins VS, quoi. Est-ce que ce serait pas un truc en rapport avec Star Wars? Non, non j'y crois bof, non. C'est totalement parti ça, y'a plus de vaisseau. Ah ouais déjà? Le vaisseau il est passé 2 jours, il a fait coucou, il est reparti direct. Il nous a mis un faux plan. Bon en tout cas il est pas mal celui-là, par contre franchement avec la cagoule il rend bien. Je lui mets un petit 9 sur 10. Par contre il a une tête, on dirait un pouce. Un pouce avec une armure et des pattes, bon. CID 629. Ah oui, carrément. Pas mal, en vrai, ça fait penser un petit peu au skin scaphandre avec l'espèce de poisson à l'intérieur, sauf que là, c'est un sapin de Noël. Ouais, c'est les boules à... C'est une boule à facettes, je crois, ça s'appelle. Hein. Boule à neige. Boule à neige, ouais, boule à facettes. Les boules à facettes, c'est les trucs que tu mets, les trucs disco, là, pour danser, là. Je dis des bêtises, ouais, c'est les boules à neige. Bon, il est sympa. Bon, après, je suis moins fan du design parce que c'est un truc de Noël, mais... Et si t'arrives à faire un skin modé avec ça, là, à la place de la tête, ça peut être marrant. Ou mettre un tacos à l'intérieur du bocal. Allez. Oh là 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 là, celui-là. Et il envoie de la patate celui-là. Avec ses flammes et tout, il est tarpé. Mais il vient tout droit des enfers, hein, ouais, avec les flammes aux pieds, il y a même des flammes autour de ses mains et des chaînes. Il y a un petit truc qui me fait penser au roi du feu, là, le prisonnier. Il y avait déjà un skin avec la même couleur. Oui, oui, je m'en souviens. C'est la balance en masculin, je pense. Celui-là, c'est. Je crois que c'est le 10 sur 10 pour celui-là. Celui-là, je pense que même les copains vont être d'accord. Dites-le-moi d'ailleurs le skin que vous préférez dans les commentaires. Celui-là, il est classe aussi. Il a un petit côté mystère. Un petit flou à la Akatsuki dans Naruto. Alors, regarde, hé, représente ma casquette, tu verras sur la vidéo. Il manquerait plus qu'à mettre le logo. Il est pas mal, le petit chapeau dessus, j'aime bien. C'est surtout le chapeau qui fait son petit effet dessus. Ouais, pas mal. Allez, un petit 8 pour celui-là. On a celui-là, franchement, celui-là, il est stylé. Par contre, il fait beaucoup penser à un skin qui était déjà sorti qui est dans Sauver le monde. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, il est mieux celui-là parce qu'il y a des petites lumières qui sortent de ses yeux, une petite langue de serpent là. Je me demande si c'est pas les corps, après les corps de base, ils ont rajouté des trucs dessus. Ouais, bah il est quand même mieux hein, avec les os et tout dessus, et les jambes en fer. Il est moitié robot, moitié serpent. Pas mal. Comme les légendes disent, qu'il y a des humains qui sont des serpents qui sont déguisés en humains. Ouais, quand ça, les reptiliens. Ouais, voilà, c'est un reptilien. Si t'as pas la ref, tu connais pas les Arman de Vald. Je l'avais fait chanter à des streamers en live. Ça me fait penser un petit peu à ça. Il est à fond dans les théories du complot et les hommes lézards, Vald. Bon, celui-là, allez, je lui mets un petit 8 aussi. Pour l'instant, mon préféré, ça reste toujours celui démoniaque. Oh, il est trop. Eh, c'est le plus beau, clairement. Je suis sûr que ça va être le meilleur. Et il est énorme dans tous les sens du terme, mec. T'as vu la taille de ses bras?
Mais il est violent. Eh mais franchement, si ce skin-là, j'arrive à l'avoir, ça va être mon nouveau préféré. Parce que tu compares mon skin, compare à lui, mon skin, il est tout faiblard comparé à celui-là. Mais comment il est baraqué avec les tatouages dessus en plus, franchement, il est pas mal. Je comprends clairement pas qu'est-ce qu'il fout là, en fait. Pourquoi ? C'est Noël, non ? Bah ouais, j'avoue. C'est le Père Noël, il a soulevé un petit peu la salle. Il y a la barbe encore là, tu vois, elle est tressée. Bon, il a changé. Lui, il mange des enfants, il leur amène pas des cadeaux. Non, franchement, je pense que celui-là est moyen que je me l'achète ou j'essaie de l'avoir. Les skins comme ça, baraque avec des tatouages, je les aime bien en général. Plus lui, il a de la grosse barbe et tout. Ça me rappelle que moi, maintenant, je suis obligé de la raser. Allez. Ouais, pas mal. C'est quoi qu'elle a dans son dos? Moi, si, je trouve qu'elle est sympa, si. Je trouve qu'elle est sympa. Tu dis ça à cause des cheveux, on dirait qu'elle a des cheveux gras, non? Moi, je trouve que ça va, non? Je trouve que ça va. Bon, elle est pas ouf, mais je trouve que ça va. Bon, t'as des yeux rouges, elle a la myxomatose. Ouais, mais je préfère comme celui d'avant, mais des skins de princesse comme ça, avec une espèce de petite couronne, on n'a pas beaucoup, donc... Et il y a aussi une cape qui suit avec. Là, ben, celui-là, c'est un petit peu dans le thème de l'hiver, un petit peu avec les feuilles mortes et tout dessus. Mon short, là, il y a des espèces de fleurs, de feuilles. Bon, il est pas mal, celui-là, ouais, 6. Je mettrai pas plus. Mais il est sympathique quand même. Celui-là, il est dément, je trouve. Et le truc sur sa tête, c'est trop stylé, les trucs, ouais. Genre, il est énervé, tu vois. Parmi tous les skins, je pense que c'est vraiment l'un des seuls que j'ai acheté. Il conserve beaucoup de nounours, par contre, non? Oh, t'as un panda, t'as celui-là. T'en as deux roses aussi. Bon, celui-là, 8, mais c'est... Je peux faire comme celui qui était baraque, le démon, là. Je pense que les copains... C'est le dernier, tout dernier. Allez. Non, c'est pas le dernier, là. Ah, c'est pas le dernier? C'est le troisième des derniers. Donc ça veut dire? Ah, donc c'est l'avant-avant-dernier. Bah, c'est ça. faut te comprendre, hein. C'est le troisième des derniers. Mais qui dit ça? Vas-y, bah, je te l'ai géré. Ah, celui-là, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu quelque part. Pour tous ceux qui ont sauvé le monde et qui ont été niveau 20. Ah, mais c'est pas celui du nouveau jeu qui est sorti, là? Il était dans les leaks. Je l'ai vu sortir. Et franchement, il est stylé. Ouais, bah je l'avais pas encore vu en jeu, j'avais juste vu en image. Il est vraiment énormément de détails, donc c'est un skin à 800 et bug entre guillemets. Bah j'aime bien ses petites lunettes. Ses lunettes, elle rapporte un petit flow sur sa tête. Avec les petites ailes aussi sur ses chaussures, j'avais pas fait attention. C'est un petit clin d'œil à. Comment il s'appelle celui qui a des ailes d'ange sur ses chaussures là? C'est pas Hermès? Ah, j'ai un trou de mémoire, les gens ils vont m'insulter, ça tombe, c'est une connerie. Allez, je lui mets un petit set. T'es la main? Ouais, j'avoue, ça mélange entre deux skins différents qui sont bien sortis. Ça rend pas ouf. Sa combi est bien, mais je sais pas, sa tête, bof. C'est celui que je préfère le moins, en tout cas, pour l'instant. On peut faire un petit décompte? Bon, allez, t'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je t'ai entendu violer ta touche. Je l'ai entendu, tu l'as frappé. Ça a résonné jusque dans mes oreilles. Mais il est bien aussi. J'aime bien sa tenue. Bah, tu vas dans défi, tu vas dans alter ego. Ah, d'accord, ok. Ah, donc tu m'as trollé, en fait. Oh, c'est quoi ce skin-là? Le skin scratch, je l'ai jamais vu. Vas-y, du coup, on va la faire démarrer. C'est parti. Les deux petites danses, du coup, les copains. C'est parti. Ils sont pas les couilles. Elle est sympa. Qu'est-ce que t'as dit? Elle dure longtemps, c'était mode, non? Elle est infinie, quoi. Pour troller les gens quand tu les tues. Tu fais genre, tu te fais chier et tout. Eh, j'ai pas capté, mais il y a une de ces touffes de cheveux derrière, le mec. Quand il tourne sa tête, on le voit, là, du coup. Putain, il a la coupe à Vegeta derrière. Allez. Sa barbe, elle va dans tous les sens. Sa barbe, elle fait pendule. Ouais, franchement, c'est le tabouret, elle est énorme. Après, celle-ci, bon, ça reste des danses comme on a déjà eu tout plein, quoi. Après, il y a peut-être même moyen qu'il y en ait encore d'autres qui soient accessibles, je pense, dans les semaines qui vont venir. Parce qu'en vrai, il y a plein de nouveaux skins, mais il n'y a pas eu tant de skins Noël que ça. Hein. Peut-être même des variantes des skins qui existent déjà aussi, peut-être. Bah, merci beaucoup, Alki. On se recap bientôt, du coup, pour d'autres trucs, d'autres skins s'il y en a qui sortent. Ça marche? Bah, dès la prochaine mise à jour, quoi. Bah, écoutez, les copains, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, du coup, jusqu'à la fin. On se recap très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres vidéos de glitch sur la chaîne YouTube. C'était Raifid, votre tonton Tacos et Alki. À très bientôt. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and